quelqu'un qui rentre. Sia ? Dis-moi, t'as faim à manger ? Non. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas que ça à faire. Ah bon, et tu fais quoi ? Bah, la maison est nickel, comme tu le constates. Donc, je dirais que j'ai fait ça. Ok, donc moi je me dépose au travail pour trouver une femme à la maison qui ne veut pas me faire manger parce que soi-disant elle a travaillé en nettoyant la maison. Oui. Dieu t'a donné deux jambes, deux pieds, tu t'en sers. Dieu t'a donné deux jambes et deux mains, donc il faut t'en servir et Asma quitte la pièce. Oui. Alors qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je reste choqué parce que... Et comment tu exprimes ça? J'ai plus de mots. Enfin, j'ai... Enfin... Je sais pas. Je suis comme ça, en fait. Je suis sans voix. À la limite, tu dis ta phrase avant. Deux jambes, deux pieds, etc. Moi, personnellement, je suis un homme. Je préfère plus... J'ai plus facilement confié ma voiture à un homme qu'à une femme qui a peut-être fait le même nombre d'années d'études que l'homme en mécanique ou je sais pas quoi, qui a peut-être la même expérience que l'homme, mais juste parce que c'est un homme, je vais me dire, il s'y connaît mieux. C'est pas que je veux dire la femme n'y connaît pas, c'est juste parce que voilà, c'est un homme, il s'y connaît mieux, bon voilà. Tiens, pour toi, un homme s'y connaît mieux. Oh, je sais pas, c'est des trucs comme ça, je peux pas forcément l'expliquer. Bon, écoute, tu vas pas reconnaître là. Ok, à part nettoyer la maison, donc t'es en train de me dire, t'as rien fait. Bravo, oui. Ok, je viens du travail, je suis fatiguée, j'ai faim, je vais manger. Pourquoi j'ai pas à manger? Dieu t'a donné deux jambes, deux pieds, tu vas te servir. Ok, Dieu m'a donné deux jambes, deux pieds, je vais me servir. Ok. Bonjour à tous. Bienvenue à... Love Zen. Nous vous invitons, vous, mesdames et messieurs, à participer à notre émission. Le jeu consiste à répondre à des questions. Pour voir si le couple va bien. Enfin, ça marche. Comment vous avez travaillé l'écrit? Vous avez travaillé ça ensemble ou bien c'est lui qui t'a dit on va dire ça, on va dire ça? Voilà, il l'a fait tout seul. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas travaillé ça ensemble? Il ne nous avait pas donné ça maintenant. J'ai pas son numéro. Bah non, le but c'était que... J'ai pas son numéro. Non. Elle habite pas en Amérique du Sud. J'habite ici. C'est pas la même chose. Hein. Si on faisait le travail, on travaille ensemble, on construit ensemble. Tu fais une proposition à Fatoumata, elle est d'accord, ok, on la note. C'est pour ça que tu as beaucoup de difficultés aujourd'hui, Fatoumata. Ça vient pas de toi. Vous pouvez mettre au salon, mais vraiment travailler ça ensemble. Je m'appelle Ibrahim. Moi, je m'appelle Fatoumata. Nous sommes heureux de vous accueillir à notre émission Love Zen. Déjà, 10 couples, 9 couples qui sont passés. Il en reste plus... Non, il y a déjà 9 couples qui sont passés en rythme chaleureuse. Il est arrivé. C'est en homme et en femme, là. Moi, je ne suis plus avec vous. Ouais. Le public serait de guerre. Voilà, allez, je ne sais pas comment ça se passe, là. Quel est bonjour. Ça va super bien se passer. Maintenant, c'est content. Oh, tac. Tac, tac, tac. Alors, c'est le groupe, ça danse. Avant, je parlais pas trop aux gens. Enfin, je m'en foutais des gens, quoi. Le théâtre, un peu, ça nous a obligés à faire quelque chose qu'on n'est pas. Enfin, par exemple, lui qui dit qu'il s'en foutait des gens, ben, en théâtre, c'est pas ça. Il ne doit pas se foutre de son public, par exemple. Moi, c'est le théâtre, ça m'a rapporté du plaisir et un peu de connaissance des autres et plus être proche des autres. Le jeu vous invite à venir répondre à des questions de culture générale. Pour cela, appelez au 0485 15 25 35 et tentez de gagner la somme de 1 milliard d'euros. Oui, 1 milliard d'euros. Asma,
Ouais, ça fait quoi? Asma, viens. Quoi? Prends le bic et une feuille, tu vas noter. Pourquoi? Ah, tu vas noter, attends. Ce que j'ai retenu de toute cette expérience, en fait, c'est le chemin qu'on a fait du commencement à la fin. J'étais perdu au début et à la fin, je suis sorti avec une autre, certes, une autre mentalité aussi, une autre façon de voir les choses et une autre manière de montrer sur scène, de faire passer un message. Peut-être il y a certaines personnes qui sont sorties de, qui vont sortir de cette, de la salle et se dire ah ouais, il y a quand même des trucs où j'ai peut-être forcé le bouchon un peu trop loin ou ça va faire tilt quoi. Espérons en tout cas. Espérons. 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 Bon, hein? Oh merde! Quoi? Bravo! Ah, ouais. Elle est où, Rosette? Elle est là. Alors, Rosette! Tout le monde dans mes bras! Tout le monde dans mes bras!